Bonne journée. Président. Il y a un micro. Viens prendre le sang. On descend sur les marches. Voilà. Pardon. Tu peux te mettre à l'écart. Bon, je peux. Oui, on sait quoi. Non, c'est pas facile à voir. Ah bon? Oui, mais moi j'ai souffert depuis hier. Non, mais depuis hier, je te... C'est vrai? Oui. Pardon. Laisse les journalistes là, c'est important. Chaleur, s'il te plaît, on va lui donner le micro. Il faut qu'on communique avec les journalistes, s'il te plaît. Bon, moi, c'est bon.
faut demander à Yolande. Yolande, je demande toujours pas quoi. Vous venez de situer au devant de l'ordre. Dites-nous quels sont vos sentiments. D'abord, l'émotion. C'est un retour aux sources. C'est une façon à faire vivre la démocratie. Voter, c'est le prérequis, c'est un devoir. C'est un droit également de tous les citoyens. J'ai choisi de faire la politique. J'ai choisi d'être un démocrate. En démocratie, il y a un temps pour débattre, pour discuter, et un temps pour décider. La décision se fait dans les urnes et par le peuple. Je suis heureux de voir ce jour de 31. Ce n'était pas évident. Les menaces de tous genres, on les a supportées, vécues, pour le peuple de Côte d'Ivoire. J'attends jusqu'au soir, je retiens mon souffle, parce que, je l'ai dit, le sens de ma candidature, c'est la paix, c'est la stabilité. Il y a trop de morts dans ce pays, trop de sang versé sous le sang de Félix Houphouët-Boigny. J'ai choisi de freiner l'hémorragie, faire en sorte que ce 31 décembre, la Côte d'Ivoire reste debout et vivant. Je constate à cet instant précis-là, à cette heure-ci, que tout va bien. La Côte d'Ivoire est encore debout, c'est l'essentiel. Restons unis, soyons solidaires, nous sommes un peuple, un même destin. L'avenir de nos enfants, c'est ce qui nous préoccupe. On ne peut pas bâtir cet avenir dans les querelles qui ne prennent jamais fin. Il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix. Le temps de la paix est devant nous, vivons-le. Et puis vivre la Côte d'Ivoire. Monsieur Kagabé, un constat, nous avons quand même fait un peu le tour des bureaux de vote. On a vu que par endroit, vous n'aviez pas de représentants. Vous avez commenté là-dessus? Oui, jusqu'à maintenant, il y a quelques difficultés, mais d'ici quelques heures, ça va se régler. Parce que, bon, écoutez, tout se passe à Abidjan. Notre centre d'opération n'a pas été vigilant à un moment donné. Les mandats ne sont pas arrivés à temps. Moi-même, je suis au four au moulin. Et puis les jeunes gens qui sont dans les bureaux de vote, je vais m'assurer qu'à midi ils auront à manger et le système mis en place pour que je puisse donc apporter un appui, il ne fonctionne pas, n'a pas fonctionné tôt. Okay. C'est pour ça que vous avez senti ce traitement là, mais ça va entrer dans l'ordre dans quelques heures. C'était une question pour les videttes. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.